bonjour la VOD, bonjour YouTube et surtout bonjour bande d'élèves. Nous revoici pour du Star Citizen, ça vous avait manqué, j'en suis sûr. Donc, on recommence. On est dans la 3.8. 3.8 qui est donc la dernière mise à jour en date de Star Citizen. J'ai rejoué il n'y a pas très longtemps, donc tout a repris à zéro en fait. Quand on fait une mise à jour, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, quand on fait une mise à jour dans Star Citizen, enfin quand eux proposent une mise à jour, hein, bien sûr, actuellement tout reprend à zéro pour les joueurs. Donc on repart sans argent, du moins avec le minimum qu'on avait au début, donc moi j'avais commencé avec 5000. On repart avec nos vaisseaux de base, si on en avait acheté d'autres, eh ben on repart avec les vaisseaux qu'on avait achetés avec notre pack de jeu directement au début. Et puis voilà, c'est à peu près tout. En gros, on n'a plus d'armure, on n'a plus d'armes, on n'a plus rien. Voilà, on repart à zéro, quoi. Hein. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Alors, on va lancer tout de suite l'exploration de l'univers. Alors, j'ai joué un petit peu il y a quelques jours, parce que mon but là est de gagner de l'argent hein, dans le jeu, parce que j'aimerais pouvoir m'acheter d'autres vaisseaux que les vaisseaux que j'ai actuellement. Donc j'ai quand même la chance d'en avoir déjà 3, mais ça c'est des vaisseaux que j'ai payés donc avec du vrai argent, avec mon pack de démarrage. Et puis voilà, mais j'aimerais m'en acheter d'autres, principalement pour pouvoir aller faire un petit peu de minage sur des astéroïdes, ou alors de la guéguerre avec des vaisseaux un peu plus costauds. Hein. Alors normalement je m'étais endormi dans mon vaisseau, voilà c'est bien ça. Alors où suis-je? Parce que la dernière fois que j'ai fait ça je me suis réveillé dans Staunton qui est donc l'étoile. Staunton c'est l'étoile A de notre système. Donc là je ne peux plus aller là-dedans, c'est ça? Ok, ma soute ne s'ouvre plus, mais heureusement, je pense que là, la porte, elle reste ouverte, parce que une fois, j'avais dormi là-dedans. Ah ben ça y est, ça s'ouvre. Donc une fois, j'avais dormi dans mon lit, pendant un trajet, et le problème... Voilà, là, c'est le vide de l'espace. Le problème, c'est que pendant ma sieste, les portes ont bugué, et je ne pouvais plus accéder à mon cockpit. J'ai donc coincé là. Je pouvais plus aller ni derrière ni ici, donc j'étais coincé dans mon vaisseau, dans mon cockpit, à l'arrêt, quelque part dans l'espace. Et c'était plutôt embêtant, hein. Vous me l'accorderez sans aucun problème, puisque se retrouver dans l'espace sans pouvoir piloter, c'est un petit peu bête. Alors, ma souris ne fonctionne plus, car j'ai essayé de régler... J'ai essayé de régler un pad pour jouer. Si, c'est bon. Oui, ça marche, ok. Ça marche aussi. Ok. Ça, j'arrive à prendre de la vitesse et à freiner. Bon, bah alors non, tout a l'air bon. Ok. Ça, je peux tirer, ça aussi, ouais. Alors, où suis-je? J'ai bien l'impression que je suis dans Staunton à nouveau. Voyons. Où que je suis, si je veux aller là, voilà, vous voyez, là où que je demande, enfin peu importe où je demande à aller, tout part de Staunton, donc ça veut dire que je suis dedans. Et ben c'est pas grave. Alors vous voyez que j'ai 9000 crédits, j'étais monté jusqu'à 30000, les AUEC donc qui sont là en bas à droite, donc j'en ai 30000, je les cache pas avec ma tronche, c'est bon, j'ai l'impression que je suis flou, non? Non, peut-être pas. C'est moi qui vois mal. Donc ouais, je suis monté jusqu'à 29 000, pas 30 000. Et pour ça, il faut faire des missions. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre comme mission alors? Ça, c'est pas ouf. Il y en a pas là qui sont vraiment bien payés, des Deliveroo. Oh, 805. Ouais, c'est les mercenaries qui sont pas mal payés. On va essayer celle-ci. Alors, il y en a beaucoup qui bug des comme ça, parce que il faut se pointer et puis péter des trucs. Et des fois, on arrive sur place et puis il n'y a rien. Donc, c'est chiant. Est-ce qu'il y en a dans les mercenaries, dans les personnel, qui seraient encore mieux? Non. Non. Est-ce que j'en ai dans les accepted? Non. Eh ben, on va faire celle-ci. C'est celle que je fais depuis le début, là, depuis l'autre jour.
Et c'est pas mal. Alors, je dois me rendre dans le L3 de Crusader. Ok, alors, le L3 de Crusader, est-ce que je peux y aller directement comme ça? On dirait. À 15 millions... Non, 19 millions de kilomètres. Ah! Je n'ai pas assez de carburant. Ça va être problématique. Stop, arrête ça. Et ben quoi, ben j'ai 82% de carburant, c'est quand même pas si mal. Alors qu'est-ce que je peux faire d'autre que ça? Genre une petite station où je pourrais peut-être aller remplir. Si je vais sur Hearthstone, est-ce qu'il y a moyen? Là au point, au Lagrange 1, je peux voir, il y a une station, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ah ouais, mais d'accord, c'est que j'ai plus du tout de Quantum Fuel. Ah. Ah, ça risque d'être problématique, ça, parce que je vais pouvoir aller nulle part, en fait. Ah. Mais vraiment, nulle part. Bah non, bah c'est mort. Eh bien, j'ai envie de dire suicide. Mais suicide, il faudra que j'attende mon vaisseau. Encore. Ça, c'est chiant. Oh. Bon. Bah on est parti pour un suicide, j'ai que ça parce que là je suis dans Stanton et puis faut vraiment que j'arrête en fait de dormir dans mon vaisseau parce que pour l'instant à chaque fois ça m'a posé des problèmes. Alors vous êtes prêts pour le suicide? Bon, je vais aller dans la soute hein, quand même, me suicider au bon endroit. Voilà. Comment je fais déjà pour dézoomer et tout? Je peux pas. Il semblait qu'il y avait un mode cinéma. Mais avec je sais plus quoi. Et qu'on pouvait bouger avec les flèches directionnelles. Mais ça ne fonctionne pas. Ouais, là, c'est bien. Je peux bouger la tête. Mais je peux pas faire bouger la caméra. Je sais que je l'ai déjà fait. Mais je sais plus comment je faisais. Ça, ça permet de bouger le fauve normalement. Ça, c'est le super selfie de la mort qui tue. Il faudrait que je m'achète une deuxième caméra, parce qu'avec une deuxième caméra, en fait, là, ma caméra, elle est utilisée par OBS, mon logiciel de capture vidéo. Et si j'avais une deuxième caméra, je pourrais faire en sorte que le jeu me filme et mes expressions faciales font bouger... Enfin, mon visage fait bouger le visage de mon personnage dans le jeu. Et ça, c'est juste cool, en fait. Enfin, moi, je trouve ça ouf. C'était pas Alt ou un truc comme ça? Non. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je dois pouvoir le voir là. Je sais pas pourquoi je m'embête à regarder ça d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. C'est parce que je trouve ça rigolo. Caméra et Advanced Cam. Comment on fait? Ouais. Ok. Donc ça, c'est le mode Advanced Cam. Ouais bah voilà, bah c'est ça, offset, machin, c'est quand on est dans le menu F4. Bah là j'y suis dans le menu F4, qu'est-ce qui m'embête? F4. Ah c'est quand je reste appuyé, non? Oui c'est ça. Ah non. Ouais. Là il se passe rien. Voilà là. Wow, ça va pas vite hein. Ah, on peut peut-être un petit peu mieux comme ça. Avec la souris. Ouais. Ça, ça décale par là. Wow, ça va pas vite. Ok, je regarde en l'air, c'est pas la peine. Voilà, bon. On va se tenter un petit suicide. C'est quoi déjà la touche? On va faire ça. Adieu. Ah. C'est un suicide debout. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Bon, bah voilà. C'est dommage, le salut n'a pas... Il n'était pas très raccord avec le suicide, mais tant pis. Et voilà, donc là... Je me réveille dans la dernière station que j'ai explorée. Qui est donc... je suis où là? Je suis sur Hearthstone? Ah non, je suis sur... Oui, je suis sur Area 18.
sur donc la planète. J'ai perdu le nom. Bah non, moi j'ai perdu son nom. Donc tant pis pour vous. Arcorp, voilà, merci. Merci l'ascenseur. Je veux aller au ground. Il y a des petits lags là. Hein. Toujours des gens postés sur les... Puis encore avec des problèmes de visage. Ils sont au moins 3 là, non? Des gens debout sur les sièges. Sans aucune pression. Ah ouais, ça lag à mort. Ah, ça c'est le temps que l'ordinateur se réveille correctement. Oui. Saut roulade. Même pas. Est-ce que la VOIP fonctionne? Apparemment, oui. Trop cool. Et le chouchou s'en va quand j'arrive. C'est génial. Et ça, c'est chiant. Il y a mon bras en fait qui passe un peu devant l'interface là. C'est pas très très cool. Donc ça c'est ma belle armure avec mes flingues derrière. Ah, le revoilà. Hey, avance. Hello. Me fonce pas dedans, s'il te plaît, tu vas me faire mal. Salut, français. Je sais pas s'il m'entend. Ohayo gozaimasu. Buenos dias. Guten Tag. Il va activer sa VOIP. Battre hein, ici. Non, on peut pas se battre. Sniff. Parce que maintenant on peut se battre à main nue. Avant on pouvait pas. Et maintenant on peut se battre à main nue. Mais là c'est une zone d'armistice, on n'a pas le droit de se battre. C'est évident. Voyons. On va faire comme lui, on va aller chercher un petit vaisseau. Enfin, un petit vaisseau. Mon vaisseau, quoi, mais le problème, c'est qu'il va falloir que je le réclame, donc que je dise que je l'ai perdu, et puis... Oh, oh, le monsieur, il a une petite amende à payer. Oh, c'est pas bien. Alors, je vais claim mon vaisseau et puis je vais directement payer le prix pour que ça aille plus vite, hein, parce que voilà, 400 pour 1 minute 12 au lieu de 6 minutes, hein, c'est mieux.
suis pas encore tout à fait riche, mais bon, j'ai un peu d'argent, donc... Puis on va aller attendre à la petite lounge. Marche pas ? Si. On va se poser bien quand même, en attendant une minute et quelques. On est quand même pas ici pour souffrir, hein. Voilà, là, je suis bien. Ah, tiens non plus. Mais ça, là, je peux pas le bouger, là. Je comprends pas, avant, on appuyait sur F4, ça bougeait juste un coup. Ah, c'est petit W. Ouais, avec W, on peut bouger. Ok. Bon, la minute, elle va être bientôt bonne, non? Monsieur, il est là aussi, je pense qu'il est un peu dans le même cas que moi. Allez, go! Vous avez vu ce saut magnifique? Je suis un peu près là quand même, non? Allez, on laisse le chercher. Oups, j'ai failli quitter l'ordinateur avant de savoir où sera envoyé mon vaisseau. Hangar 3. Ah, bah, ça me change. Hein. Les fois d'avant, c'était toujours le hangar 2. Je commençais de le connaître par cœur, ce hangar. Allez, allez. Direction les hangars. Principalement, le hangar 3 qui nous intéresse. Ah bah bravo. J'essaye de voir les statistiques de mon live sur mon téléphone et pendant ce temps-là, mon ascenseur se barre. Parfaitement normal. Voilà. Hop. Hangar, j'ai dit 3. Voilà, quelqu'un qui arrivait. Comment je vois les statistiques de mon live? Ici. Et c'est pratique, j'ai mis mon téléphone en mode paysage là, donc sur le côté. Et c'est tellement pratique, l'application ne se met pas sur le côté. Donc il faut se briser la nuque pour pouvoir voir les stats. C'est génial. Le genre de truc que j'adore. Allez! Go to my ship. Et je ne parle pas là de mouton. Alors, on allume le jus. On allume les moteurs. On demande l'autorisation de décoller. Contact sur Area 18. Oh l'anglais. Un petit peu de difficulté. Hein. On va décoller. Faut décoller par où ? C'est où la sortie ici? C'est au-dessus. Parfait. Et on est parti. Let's go. Je rentre le train d'atterrissage. La dernière fois que j'ai joué, j'oubliais sans arrêt de rentrer le train. Alors le problème sur cette planète, c'est que vu que c'est une planète, je suis obligé de quitter l'atmosphère avant de pouvoir lancer un quantum. Donc avant de pouvoir atteindre la vitesse lumière. Pour l'instant, tout va bien. On va mettre le cruise control et pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Là, j'aimerais baisser un petit peu ça parce que là, j'ai des statistiques de mon live. Voilà. Genre depuis combien de temps ça tourne, le nombre de vues, le débit en direct, le nombre de followers, voilà, tout ça, tout ça. Mais apparemment, il n'y a pas le nombre de spectateurs en direct. Donc c'est embêtant. Complètement con, même. Crotte de pique. Est-ce que je suis loin ?
Moi, je veux aller là. Et je suis sur Arcorp, ok. Bon, ouais, c'est quasiment aussi loin que de traverser. Ça va me bouffer combien de carburant, ça? Ouais, une bonne moitié. Hein. Enfin, non, pas tout à fait la moitié, mais presque la moitié. Oh. Bon, donc on essaye de... d'atteindre les 100 000 mètres. Car apparemment, c'est des mètres. J'ai toujours cru que c'était des pieds, mais on m'a dit « Oh non, c'est des mètres !» Bon. Ah ! Ah bah c'était plus plus rapide que je ne l'eus cru. Alors, où dois-je aller donc? On va déjà lancer le spooling. Ah, je suis en train de perdre connaissance. Allez, hop, un petit tour pour remettre les idées en place. Et c'est bien sûr de l'autre côté de la planète. Oui. Ce qui veut dire que je ne peux pas l'atteindre. Ah oui, d'accord, il me fait passer d'abord par un OM. Super. Tout va bien alors. C'est bon. Parce que forcément, si je veux aller quelque part et piquer une planète en plein milieu, je peux pas trop traverser tout droit. Donc, on va se mettre un OM. Alors, je sais plus ce que ça veut dire. Orbital, je sais pas quoi. Et c'est juste une petite station, quoi. C'est un point de repère dans l'espace qui permet donc de faire le tour d'une planète quand on veut aller derrière, quoi. Ah bah oui, mais là ça va toujours pas, là, en gros. Là, moi je vais me la manger, là, la planète. Là. Ils me prennent pour un débile. Et oui, Obstructed. J'avais remarqué, merci. Alors est-ce que tu peux me donner d'autres points d'intérêt, s'il te plaît? Là, ce serait cool. Genre... Clear route. Si jamais je veux aller là, tu me fais toujours y aller tout droit là? Ouais, mais t'es complètement débile toi en fait. Bon bah alors non, bah clear la route. Allez. Bon, qu'est-ce que je peux voir d'autre là d'ici? Genre je peux aller sur le Arcal 4. C'est à 28 millions de kilomètres. Ah, Microtech, qu'est-ce que j'aimerais aller à Microtech. Et ça là, je peux l'avoir là? Mic L1. C'est où ça, Mic L1? Est-ce que c'est presque sur ma route? Donc, Microtech est tout là-bas. Très pratique. Et puis Mic L1, ouais, c'est là-bas. Bah c'est sur ma route. Enfin, ouais, ça tomberait bien. Mais le problème, c'est que est-ce que je vais réussir à arrêter mon quantum? Non, bah, je vais aller au Arc 4. Oui, j'aimerais y aller en fait. Ouais, Arc L4, c'est bien. Ça me va. Alors, il est là-bas. Vas-y, spool. Parce que ça, au moins, c'est pas trop loin de ma destination, quoi. Parce que avant, on pouvait arrêter le... la pseudo vitesse lumière. Bah là si, là je le vois là, c'est bon, la planète elle a bougé. Oh, si ça se trouve je pouvais y aller directement maintenant. Donc oui, avant on pouvait couper et là je crois qu'on n'y arrive plus. Genre là si je coupe les moteurs. Oh génial, ça a fonctionné. Trop cool. Il faut que je remette les moteurs en route par contre, si je veux pouvoir bouger à nouveau. Ouais, c'est trop bien. Je valide. En fait, c'est ça, vu que c'est un jeu en développement, il se passe toujours plein de choses folles. T'as un truc qui va pas marcher un jour, le lendemain ça va refonctionner. T'as un truc qui va marcher du feu de Dieu un jour, et le lendemain ça ne va plus marcher. Donc voilà. Mince, j'étais en train de me faire scanner en vrai. Oh non! Oh oh! Ça se trouve, en fait, j'avais pas vu, mais je me faisais scanner par la police. Bon, apparemment, j'ai pas pris de crime stat. Donc, peut-être qu'ils ont eu le temps. Aïe! Que se passe-t-il? Là, par contre, là, je me fais détruire par qui, là?
C'est quelqu'un là qui se fait attaquer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Non, l'autre. Lui là, je veux. Mais. Ah, je me trompe de bouton, ça va pas aujourd'hui. Lui. Aïe. Qui c'est qui se fait détruire? Bah c'est mon poteau qui s'est fait détruire. Aïe, mais justement moi je vais détruire des trucs. Non, il faut pas que je fasse ça parce que je vais détruire des trucs. Et je sais déjà que j'ai pas assez de. J'ai déjà pas assez de munitions pour me les faire correctement. Quoi? Quantum jammed. Qu'est-ce que c'est le quantum jammed? Si c'est bon, je peux. Donc non, tant pis, j'aide personne, désolé. J'espère que tu t'en sortiras, l'ami. C'était une IA, hein. Il y a souvent des combats comme ça et puis ça nous arrête en plein milieu de notre voyage. Génial. On est toujours très content. Bon, 24 millions de kilomètres. Il pourrait mettre de la musique quand même dans les vaisseaux. Il n'y a pas une petite radio là, quelque part? Genre ça, là, pourrait être une radio, non? Alors j'ai 4 missiles. C'est bien ça, il me semblait qu'avant j'en avais que 2. Oh, que se passe-t-il? Gans. Ils sont tous sur ON. Par contre, ouais, je comprends pas tout très très bien là. J'en ai 399 ici. Des missiles de taille 2, j'en ai 4. Mais au niveau des guns, donc j'en ai 3. Oui, parce que j'en ai un de chaque côté et puis une tourelle au milieu là. Mais par contre, au niveau munitions. Ah, mais c'est laser! Et oui, c'est pour ça. Donc, ça, c'est ma tourelle au milieu. Et ça dure pas très très longtemps. Hein. Bon, en même temps, elle fait pas archi mal, il me semble. Mais voilà quoi. Alors d'ailleurs, est-ce que je peux switcher de l'un à l'autre? Comment ça fonctionne? Là, je suis bien en flight mode. Ça, c'est pour changer le découplé. Le R, ça permet de faire flight ready, toggle gimbal mode, ou alors look ahead, regardez autour, je crois. Non, ou look ahead, non, c'est pas derrière ça. IA turret toggle. Ah, on peut faire contrôler les tourelles par une intelligence artificielle, par l'ordi. Circle ennemi. Circle friendly. Oh, tellement de trucs là-dessus. Beaucoup trop de choses. Et nous allons bientôt sortir du Quantum Drive. Non, si. Propre. Ah, donc vous voyez, moi j'arrive là, faut que j'aille là-bas. Ok. Alors, let's go. On va tout là-bas. Je sais pas trop comment est-ce qu'on change les modes. Parce que là, vous voyez, j'ai un petit 16 avec un. Avec une flamme à côté. Et ça, avec la manette, j'arrivais à le changer avec une touche. Et je sais pas du tout ce que ça changeait. Mais je sais que j'arrivais à le changer. Et
Peut-être que ça influe sur les armes. Mais bon, on va déjà voir s'il y a des gens là-bas. Parce que c'est peut-être bien celle-ci qui merde. Et donc on arrive et il n'y a personne, ils ne sont pas là. Ou alors il faudrait peut-être que j'aille chercher dans les autres amas de roches. Peut-être que en fait ça bug, la mission dit que c'est ici et puis que c'est dans un autre. C'est pas impossible. Alors faut que je fasse gaffe à pas manger un caillou avant d'arriver. Ah chouette, ça fonctionne. Non, pas ça, pardon. Genre là celui-ci, voilà, ça c'est un de ceux qu'il faut que je me fasse. Je vais beaucoup trop vite, comme d'habitude. Oui. Et beaucoup trop loin, et moi je tire dessus comme un débile. Je vais déjà baisser ma vitesse. Pas trop non plus, genre par là. Et voilà, moi il faut que je vise la petite cible qui est là-bas sans me bouffer un caillou. C'est ça le plus dur. Puis en faisant gaffe que mon bouclier ne parte pas trop vite non plus. Là, je me fais shooter un peu tous les côtés là. Ah, là c'est un autre qui est mouru. Mort lui, il n'a plus de bouclier. Une belle petite explosion s'il te plaît. Voilà, et d'un. Un autre s'il vous plaît. Genre lui. Aïe. J'en prends plein les mirettes pour pas un rond. Je sais pas ce qui m'a touché, mais ça m'a fait drôlement mal parce que ça m'a mis KO deux de mes boucliers. Aïe! Ouh, j'en prends plein les dents. Si je meurs, hein, c'est pas grave, hein, ça m'arrive. Ouais, je sais que mon shield est critical. Le problème c'est que je vois pas d'où ça vient vraiment. Je sais que je prends cher de l'avant et de droite. Ah ouais là, les tirs sont pas mal concentrés. Je sais pas si c'est vraiment sur moi. Et puis j'ai des mouvements qui sont assez prévisibles quand même à tourner en rond comme ça. Bon désolé, je ne suis pas équipé de joystick dans tous les sens et je ne suis pas non plus un pilote de malade. C'est déjà bien que j'arrive à viser à peu près. Allez, lui il est bientôt mort aussi. Dans l'idéal, j'arrive à peu près à en faire 3 avant de mourir. Enfin, c'est pas dans l'idéal, c'est les fois précédentes. Là, j'arrive à peu près à en faire 3 avant de mourir. Donc c'est pas si mal. Genre ça là-bas, là, ça en est aussi. Mais là, je suis près des autres. Ouais, ça, c'en est un. Donc on va essayer de se le faire. Je vais déjà lui envoyer quelques petits missiles. Ça a fonctionné ou pas? Apparemment oui, ça a l'air de lui avoir fait mal. Mais j'ai plus de shield ni devant ni derrière. Aïe aïe aïe. Oh là, je ramasse du nez là encore. Je sais pas qui m'a tiré dessus, mais il m'a fait bien mal.
Aïe aïe aïe. Oh yes. Bien morflé lui. Allez, faudrait que le bouclier avant se remette d'aplomb. Si le bouclier arrière voulait bien se remettre aussi, ce serait pas mal. Passer un peu derrière ce rocher là. Le temps de retrouver une autre cible. Voilà, elles sont plutôt par là-bas mes cibles. Alors ça c'est quoi ça? Ça c'est pas ce que je dois détruire si c'en est un. Mais il est loin, non? Aïe 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 aïe. Ne pas rester stationnaire. Très très mauvaise idée. Fausse bonne idée. Assez d'argent aussi, je changerai peut-être les armes sur ce vaisseau. Parce qu'on peut customiser pas mal de trucs, hein. Je crois qu'on peut racheter d'autres tourelles et tout. Et je sais même pas si ça touche. Ah voilà, ça le touche même pas en fait. Un petit peu chiant. Comment ça se fait que ça le touche pas, ça? Il faut que je vise plus loin que la cible. En gros, il y a que ça qui touche. Ah, il y a tout qui touche là. Mais je me fais tirer dessus. Ah bah voilà, ça lui a fait du mal ça. Ça c'est quoi ça? Ça c'en est un autre. Après je m'étonne que j'ai plus de munitions, moi. Tu m'étonnes. Fasse gaffe aux rochers qui sont juste derrière. C'est mieux comme ça. Parce que là, toutes mes munitions, elles partaient dans l'espace. C'est un peu dommage. Ah, j'ai encore plus de bouclier à l'avant. Allez, meurs, sale bête. Voilà, quand je suis assez près, ça a l'air de bien toucher quand même. Aïe 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 aïe. Non, c'est bon. Bon, c'est déjà pas mal, j'en ai fait 3. C'est déjà bien. On va passer là plutôt à côté là. Alors là, je vais passer en plein dedans, voilà. Hop, 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 hop. Plutôt par là. Hop, normalement ça passe. Voilà. Ah bah j'ai plus de munitions, ça y est. C'est ça le deal. Et je crois que j'ai lancé un missile là, non? Ça marche plus? Je fais gaffe aux cailloux là qui arrivent à ma gauche. Là, normalement je suis assez près du lui, donc ça devrait aller. Ah, qu'est-ce que quoi? J'ai été touché. Quoi? Turrette quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. J'ai touché un caillou. J'ai pas eu l'impression. Ça lance des missiles tout seul.
reprendre un petit peu. J'ai subi des dommages dans beaucoup d'endroits. Je n'ai plus de missiles, ça y est. À 3 km, si c'est beaucoup mieux. Hop là, je suis caché. Ah, je suis plus caché, si c'est bon. Aïe. Hop là. Hop là. Allez, viens la ramasser tes dents, toi. Attention au gros caillou derrière. Qu'est-ce que ça fait là si je change ça? Marche pour. Ah, c'est que j'ai enlevé le mode tourelle. Donc là, ok. Là, ça vise toujours bien devant mon vaisseau. Ça m'a l'air quasiment plus efficace de tirer comme ça. Je suis pour. Là pour viser, il faut vraiment que je pointe mon vaisseau là où je veux viser. Ça m'a l'air pas trop mal niveau déplacement. À mon avis, ça dépend des armes et puis de comment on bouge. Yes! Allez, encore un de plus en moins. Où sont les autres? Le dernier d'ailleurs. On avait dit c'est celui qui est à 5 km, mais il est où? Je le vois plus du tout sur ma liste. Oh là, oh là, je suis en train de perdre connaissance. Yeah, parce que mon cerveau n'est plus assez irrigué en sang. Parce que j'ai fait une manœuvre que mon corps n'a pas aimé. J'ai pris trop de jets dans la figure, ou plutôt dans les jambes. Donc, le sang est descendu. Pardon, le sang est descendu. Bon, il est où l'autre? Il est là-bas. Voilà. Ça marche ça? Je vais éviter de trop lui foncer dessus parce que je vais me faire saucer par l'avant. Est-ce que je peux le viser déjà? Plus par là, un petit peu à la gauche. Ta 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 ta. Je sais pas si je touche. Non, on n'est pas sur Fortnite, hein, il n'y a pas d'assistance à la visée. Hein. Ça y est, il commence à me tirer dessus. Aïe 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 aïe. Je le loupe complètement. Ça y est, ça touche. C'est
c'est quoi là qui passe à côté? Là c'est qu'il y a un vaisseau à côté. Peut-être essayer de l'éviter un peu parce que si je lui fonce dedans on va pas être pote. C'est quoi ça? C'est un train d'atterrissage j'ai l'impression. J'ai déjà vu ça un jour où ça buguait. Oh le soleil, le, pardon, Stanton, qu'est-ce qu'il fait mal? Je tombe du plan plus vite ou il s'énerve? Pas tardé à me le prendre hein, ce machin là qui est. Oh là! Thruster resetting, ouais. Ok, bah pourquoi pas, écoute, on fait comme ça. Oh, je suis en train de partir où là? Ouais, ok. Qu'est-ce que quoi? Je peux contrôler mon vaisseau encore un petit peu ou plus du tout? Ok. Ah, ça lui a laissé le temps de recharger ses boucliers. Il m'a jamais fait ça mon vaisseau, je sais pas pourquoi il fait ça. Thruster resetting. Ouais, en même temps, il m'a jamais fait ça, mais il a jamais été aussi endommagé sans exploser. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Dans les cailloux. Allez, il faudrait que je le touche là, ce serait bien. Se rapprocher un petit peu. Voilà, dès que je regarde ailleurs à l'écran que là où je vise, tout de suite je vise à côté. Hein. Il faut tellement tout corriger là tout le temps. Alors faut pas non plus que je sois trop près, hein, parce que quand il va me péter à la figure. Voilà, je commence à m'éloigner avec la force centrifuge. Bon, c'est pas mal, là il ramasse un peu, là. Voilà, ça c'est fait. Et ben c'est bien, allez. Encore 10 000 crédits. Et j'ai épuisé tout mon carburant. Voilà, 10 000 crédits pour moi. Alors, où puis-je aller? Ah, j'ai mal au poignet. Déjà, est-ce que je peux aller quelque part? Allez, mais... J'aimerais que ça dézoome. Voilà. C'était compliqué. Hein. Alors, où est-ce que je peux trouver une station? Parce que des fois, il y a des stations au milieu de ça, mais c'est rare. Ben, je crois que je vais aller à Hearthstone. Est-ce que je peux? Ouais, large. C'est quoi ça? Ah oui, c'est Hearthstone qui est apparu pour que je puisse le viser. Enfin, la viser, c'est une planète. À 6 millions. Ben, c'est tranquille. En espérant que je mange pas un caillou en arrivant. Enfin, en partant plutôt. Normalement, ça passe. Qui est vraiment pas passé loin. Normalement ça passe. Bon par contre on a un magnifique Stanton dans la figure. Ah un mieux. Ouh. Et c'est le canto. Alors qu'est-ce que j'ai perdu de mon vaisseau moi? Voyons cela. J'ai même pas perdu de morceau d'aile. C'est génial. Ah mais j'ai perdu la tourelle à l'avant, c'est pour ça que d'un coup ça s'est arrêté. J'ai bien l'impression que j'ai perdu ma tourelle. Ah c'est fâcheux. Ah ouais. Mon pauvre petit vaisseau. Attendez, est-ce que je peux voir les défaillances à l'intérieur? Bon déjà ça clignote rouge de partout, on sait que c'est pas très bon signe. Ah oui, ah, c'est pas bon signe du tout là. Et là, il va y avoir un trou dans la soute. Je vais arriver dedans, je vais me faire happer à l'extérieur. Oh, ça fume. Ah, mais ça fume dans la porte. Ok. Ouais, il fait un peu sombre par ici. Bien, bon. Bon, apparemment, pas de trou dans la coque. On s'en sort pas si mal. La porte, avec la petite marche. Ok, mon lit est intact.
Le coussin est juste un peu défait. Bon, ça a l'air pas trop mal. Là, y a une petite rayure bizarre. Ça, c'est une petite rayure bizarre. Ah ouais. Bon, ça, c'est l'accident. Oh, ils ont flingué l'ordi, là. Oh, ils ont flingué l'ordi, là. Il fait des étincelles dans tous les sens. Bon, bah, il va y avoir de la réparation à faire. Hein. Oh, puis là, ils m'ont percé une bouteille de noces. Voilà, bah, c'est pas le moment d'utiliser la nitro. Hein. Voilà, bah, heureusement que j'ai ma combi, parce que alors là, je suis pas sûr que ce soit bien respirable par ici. Hein. Il va falloir réparer tout ça, moi, je vous le dis. À mon avis, j'étais vraiment pas loin du tout d'éclater. Hein. Pour un peu, je m'éclatais la tronche. Bonjour viewer, je t'ai vu. Tu n'as rien dit dans le chat, mais je t'ai vu. Ah, je suis en train de m'endormir. La somnolence au joystick. Quelque chose de très très dangereux. Qu'est-ce que c'est là, ça là, à côté là? D'accord. Ah, une des lunes de Hearthstone. Évidemment. Je me disais, je suis en train de doubler un vaisseau. Mais non, je pense que c'était une des lunes de Hearthstone. Ok. Alors, j'ai toujours pas de Crimstat hein, ici. Ouais. Parce que je sais pas trop ce que j'ai foutu tout à l'heure, mais ça me disait que le scan était en cours. Donc, bon. Mais je leur ai pas laissé le temps de me scanner. Ou alors, ils ont eu le temps, mais j'avais pas remarqué, et je me suis barré en quantum. Alors, où vais-je? Oh là, je cherche les touches des fois. Alors, j'aimerais aller à la capitale qui se situe là-bas. Non, pas du tout. C'est une espèce de forme bizarre, là, la capitale. Comme un carré avec une pointe, voilà, là-bas. Remarque, je suis pas obligé. Non, il n'y a rien qui m'oblige à aller à Orville. À l'Orville. 1300. Qu'est-ce qu'il y a d'un peu plus près, là? 2000, donc pas du tout. Non. Il n'y a rien qui serait plus vers moi, là. Voilà, ça, 700. Là. Ouais, c'est loin, ça aussi. En fait, tout ça, c'est ce qui est de l'autre côté. C'est ça. Quand c'est en pointillé, c'est que c'est de l'autre côté. J'en sais rien du tout. Non, ça c'est pas en pointillé, puis c'est plus loin. Je ne comprends pas. 800. 1000. Je vais pas tarder d'exploser. 1000. 900. Bon, je pense que c'était les autres là-bas, les plus près. Il y avait du 700 et quelques. Et ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une station qui est en l'air? Je connais pas. Alors là, je crois qu'on avait des trucs pas trop loin. Ouais, bon, on va aller là-bas. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être une petite station à la surface de Hearthstone, je pense. Mon vaisseau fait n'importe quoi. J'espère juste que déjà... Là, je pourrais refuel, faire le plein, réparer et faire le plein d'armes aussi. Et n'oubliez pas de follow la chaîne. Ça doit être quelque part par là-haut, au-dessus, là, je sais pas où. Et remarquez follow. Voilà, ça fait plaisir. Et j'ai besoin de followers, je vois que dalle. J'ai besoin de followers pour et ben, atteindre le niveau supérieur sur Twitch. Tout simplement. Alors c'était quoi que je visais moi, c'était ça? Non, 300 et quelques kilomètres. Voilà, je perds connaissance. Voilà. Je ne vois rien du tout. Et je ne sais plus du tout où je voulais aller.
avec tous ces points là qui clignotent dans tous les sens. Oh là, mais tout est trop loin là. 500 km. 700, là, ça doit pas être loin là, ce que j'avais trouvé. Oh. Bah non. Bah mince alors, c'est où? Oh, je suis vraiment pas doué moi. Puis c'est pratique hein, ça, hein, quand ça te le montre au début et puis qu'après tu le vois plus. Tout ça là, c'est quoi ça? Hearthstone, ouais, bah merci, j'y suis. Ça, c'est les OM, ok. Ouais, ça, c'est plus loin dans l'espace. Donc, c'est bien ça. Ça, c'est ce qui est au sol. Bah, on va aller là-bas. Hein. Attends, mais je peux pas voir moi au-dessus de quoi je suis là? Alors, je peux pas voir mieux que ça. Ah, quand même. L'Orville, donc l'Orville, c'est la ville. Et moi, je suis où d'ailleurs? Genre, si je fais ça, ça me dit que je suis là. Là. Et y a rien autour de moi, c'est ça? Ben ouais, moi je suis Quenta. Ah, ces maps, c'est pas fou. Hein. Bon, bah je vais viser celle qui est à 500 bornes là-bas. On va déjà se remettre un petit peu plus droit et puis on va partir par là-bas. Ouais, voilà, ça me dit. Ah, mais oui, mais du coup. Bah non. Oui, je peux pas quantum dessus parce que je suis rentré dans l'atmosphère. Mais j'aurais dû atterrir plus près, j'étais à 700 km du truc que j'ai fait là. Ou alors attends, est-ce que maintenant que j'ai bougé, je le vois mieux? Parce que donc là, maintenant, tout est rouge. Faut que j'arrive à voir à quoi ressemblent les... Okay. Donc les trucs qui sont... C'est quoi? C'est octogonaux. C'est les trucs qui sont au sol. Donc faut que je regarde tous les octogones. Mes élèves qui seraient heureux avec ça. Non, ça c'est pas un octogone. Ça c'est à 500 bornes aussi. Ça c'est plus loin, non? Alors? Arrête de me prendre celui-ci là. Ah, celui-ci il est à 29 km, c'était celui-ci que j'avais. Voilà, bah on va peut-être y arriver à le trouver quand même. Oh là, je vais m'éclater sur place. Ouais, ça manque un peu d'un GPS, hein, ces petits vaisseaux là. Après il y a peut-être, hein, mais c'est juste que je ne sais pas faire. Voilà, 20 km ça me paraît déjà plus raisonnable pour y aller. Je peux encore tirer. Ah, ça y est. Thruster surging. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je ne suis plus qu'à 3000 mètres d'altitude. J'arrive très vite, non? Je suis encore à 9 km. Je vois que dalle. Il pourrait y avoir une montagne en face de moi que je la verrais pas. On va peut-être allumer les lampes. Pour l'instant, ça fait pas grand-chose.
encore 6 km. Sortir le train au cas où. Au cas où. 4 km. Ça va, ça va. J'avance pas si vite que ça non plus, donc ça va à peu près. Ça y est, je commence à voir quelque chose. On peut arrêter ça là, parce que ça commence à vraiment être chiant cette lumière. Puis on va se faire un petit atterrissage ici, hein. Mettre à plat, j'ai dit ouais, c'est presque ça. Wow, doucement. Un petit peu plus au milieu. Alors, attends, déjà ici, thruster fluctuation. Ouais, bah oui. Est-ce que déjà ici, je peux réparer? Oui, je peux réparer. Je peux restock, refuel et tout ça. Paf. Alors, est-ce qu'il faut que je me pose? Fait du bruit. Il se passe des trucs. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, si je coupe tout. Ok. Parce que bon, là, il y a toujours tout qui fait du bruit, qui clignote, qui machine. J'ai plus la fuite là, apparemment. J'ai plus la fuite ici. Ok, on va faire l'inspection extérieure du vaisseau. Ici, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Bon, bah écoute, on n'est pas si mal. Oula, il fait drôlement sombre chez vous. Alors, inspection extérieure du vaisseau. La peinture ici est nickel. Il y a un petit peu là, hein, un petit peu de point sombre. Hein. Oh, oh, il y a de la rouille par ici, non? Ça a été fait comme un sagouin, ça. Le petit calibre laser, il est plutôt bien ici. Il m'a l'air pas mal. Ah, là voilà ma petite Gatline à l'avant. La grosse Bertha. Ok, on est bien là. Ça, c'est revenu. Et la deuxième ici, elle est pas mal aussi. Bon, les trains, ils ont l'air corrects. Hein, tout a l'air bien. Le circuit de refroidissement, pas percé. Non, ça va, je reviendrai ici, le mécano a l'air sympa. Il est compétent, efficace. Les tuyaux de frein, c'est bon. Ok. Bon. Ben, c'est pas si mal.